prépare la manœuvre de départ ici. Ouais. On va déjà mettre le moteur. On met le moteur. Vous faites comme si j'étais pas là. Voilà, super. On propulse un bon coup. Hop, super. Et voilà. C'était une passion qu'on avait depuis longtemps, mais que nous n'avions jamais concrétisée. Du fait que nous sommes maintenant tous les deux à la retraite, un jour on s'est dit, alors on achète un bateau ou on n'achète pas un bateau. Marie avait fait un peu de voile, moi jamais. La majeure partie du temps, c'est quand même sur le bateau des propriétaires. Souvent, des achats assez récents. En fait, on scinde souvent la séance en deux, là, comme ça, avec Marie et Jean-Claude. Un petit peu de moteur, parce qu'il y a un peu de stress à naviguer dans un endroit un petit peu confiné. Un léger coup de marche arrière, Marie, mais à peine. Ok, super, Jean-Claude. Bon, mais c'est très bien. Il faut apporter beaucoup de sérénité, parce que c'est un stress d'avoir un bateau à sa charge. Tout de suite, on manœuvre directement ses voiles, ses écoutes. Montrez-moi le vent, là, Marie. Voilà. Alors, on choque les coudes. C'est bon, je suis au vent. Hein. C'est bien, Marie. Je suis au vent. Faites un tour, là, parce que ça tire beaucoup, là, déjà. Ah oui. Donc, Marie, elle va amener le bateau petit à petit par là-bas, et nous, on va petit à petit border nos voiles. Hein, d'accord, oui. On va attaquer par la grande voile. Et après, on fera le génois. Allez, ça va faire du bruit, tout ça, mais c'est normal. D'avoir ces fiches, ça permet d'avoir des points clés qui ne sont pas noyés dans la masse d'informations qu'on a données. Pour y revenir rapidement après derrière et d'avoir des certitudes sur qu'est-ce qu'on avait dit. Eh ben, c'est ça, c'est dans la fiche, c'est écrit. Alors là, vous voyez, on voit la risée arriver, on va la prendre, la risée. Donc là, je vais le laisser volontairement prendre un peu de gîte. Là, je vais le laisser volontairement prendre un peu de gîte. Et regardez, je force pas. Je mets tout doucement un petit peu vers le vent. Hop, le pied et s'aplatit. D'accord? Le livret plaisance, c'est le tracé du parcours du plaisancier. Il voit comment on progresse, comment on ne progresse pas, donc en fait, il adapte pour démarrer, je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. Ça va de manœuvre de port jusqu'à des empannages sous-spi si la personne souhaite progresser dans cet axe-là. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va faire un peu, on va s'exercer, on refait, donc en fait, à chaque fois, on progresse. Entre les premières séances et aujourd'hui, ils sont rentrés dans la plaisance et ils savent sortir leur bateau, manœuvrer, naviguer.